Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour cette édition du 31 janvier 2014. L'actualité marquée aujourd'hui par ce fait divers. Un tireur d'élite retraité de l'armée américaine aurait abattu de sang-froid pas moins de 7 personnes. Nous retrouvons immédiatement sur place, en direct, notre envoyé spécial Michel Floquet. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors Michel, la France s'interroge, la France se pose beaucoup de questions sur ce fait divers. Que s'est-il passé précisément sur ce toit de gratte-ciel ? Alors c'est arrivé il y a seulement quelques heures, donc la police locale n'a pas beaucoup d'éléments pour l'instant. Ils ne veulent pas fournir d'informations à la presse, ce qui est compréhensible. Néanmoins, nous avons réussi à choper ces images sur internet, la chaîne YouTube de la personne qui est Rix. Voilà, donc on voit en direct, donc il filmait avec une GoPro fixée sur son torse, la tuerie. Voilà, on s'en fout, on est TF1, on est une chaîne privée, on peut diffuser des trucs dégueulasses, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que vous serez d'accord. Merci Michel pour ces précisions. On m'annonce à l'instant que Franck Ribéry aurait réagi à l'événement durant sa conférence de presse cet après-midi. On l'écoute tout de suite. Attention, cette séquence est proposée en version originale sous-titrée et pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes. Pour WAM, le mec qui a fait ça, c'est un fils de pute. Voilà, donc des phrases riches et construites comme à l'habitude de nous faire par Franck Ribéry. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TF1. Allez, je reprends mon sérieux et ma vraie voix pour ce second clip. On est sur Call of Duty Ghost avec notre ami Uniz Skyzen sur la map Bayview, une toute nouvelle map du dernier DLC. Avec un Maverick A2, également nouvelle arme du nouveau DLC. Il nous fait un premier kill suivi de regarder en une balle, 1, 2, 3. Ça nous fait un total de 4. Très bien joué, bravo à toi mec. Et c'est d'ores et déjà la fin de ce clip du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'avez que deux petits gestes à faire. Le premier, c'est de laisser un petit like. Et le deuxième, c'est bien sûr le petit commentaire qui va avec. Pour envoyer vos clips, vous les envoyez à codexqg@gmail.com. On vous répondra le plus vite possible et vous serez sûrement pris si votre clip bien sûr en vaut le coup. Vous l'accompagnez de votre gamer tag PSN ou Steam. Sur ce, c'était Foski, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut.